Raffaele, fai venire i ragazzi della Briola. Dottoressa? Come sapete dal regolamento si deve fare da spettatori dopo che abbiamo finito di fare gli attori, no? Quindi se voi vi sedete cominciamo con l'ultimo spettacolo. Nadège, le sac noir là-bas, c'est pas à vous? Pauline, assieds-toi. Allora, sta per cominciare l'ultimo spettacolo della mattinata, che è dell'Athénée Royal Jordan di Floraz, non so se dico bene, Floraz, e mettono in scena il labirinto dalle Metamorfosi di Ovidio. È inutile che dico, perché mi pare che l'abbiamo visto tutti e avete anche applaudito, che abbiamo il grande onore e il piacere di avere qui con noi il maestro Giorgio Albertazzi. Il maestro resterà un po' qui con noi, lo spettacolo comincerà, a un certo punto noi ce ne dovremo andare e ci scusiamo fin da adesso. Grazie e buon divertimento. Dans la ville de Tassos se trouve son palais et son trône. De là, il commande les œufs sauvages, roi suprême, seigneur des montagnes et des plaines. Zeus est mon père, le sang des dieux coule dans mes veines et dans les veines de mes enfants. Je commande de grandes armées, dirige non en vie. Pas besoin de hauts murs autour de ma ville. La mer est ma forteresse, je n'ai peur de rien. Je suis le roi Minos et ma parole est la loi. Mais par une nuit de vent et de tempête, la peur se répandit sur le cœur de la ville. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette terrible tempête? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Nous savions pourquoi, nous, le peuple de Crète, et nous lui avons dit. La cause du taureau blanc, venu de la mer, le cadeau de Poséidon, le roi des mers. Je m'en souviens, si blanc, si clair, les cornes brillantes comme de l'or. Mais la seule raison pour laquelle le dieu avait donné ce cadeau était pour lui sacrifier. Il voulait que sa gorge soit tranchée. Car bien que tu sois un roi, c'est un dieu. Et les dieux l'emportent toujours sur les rois. Mais je ne pouvais pas tuer une aussi belle créature. Je sacrifie une autre. C'est mon souhait. Et Poséidon, peut-être le dieu de la mer. Je suis le fils de Zeus, chef de tous les dieux et roi du paradis. Pourquoi Poséidon est en colère? C'est pourquoi il a envoyé ces terribles tempêtes? Il a décidé de te punir. C'est ce que nous lui avons dit, nous, le peuple de Crète. Mais il n'a pas écouté. Donc, il est en même temps, hein? Que peut-il faire? Je ne crains pas. Que veut faire Poséidon pour me blesser? Quelque chose de pire que les tonnerres et les éclairs. De pire que le grand vent et l'eau de base. Quelque chose qui frapperait profondément le cœur de Minos et du royaume tout entier. Car cette nuit-là, dans une chambre du palais, un enfant était né, le fils de Minos. Et Poséidon entendait mettre sa marque sur cet enfant. Une marque que personne n'oublierait. Où est le roi? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Il nous
a trouvé ici et nous a parlé. Je dois trouver le roi. Avec un visage n'exprimant pas la joie, mais bien la terreur. Savez-vous où il est? Et entendons dans sa voix qui nous a épouvantés. Si vous le savez, dites-le moi. Comme si quelque désastre horrible était survenu. J'ai des nouvelles. Et quelle était celle qui devait rapporter le message? Mais m'écoutera-t-il? Mieux vaut se taire. Je pourrais y retourner, prendre la créature et l'emmener dans la montagne. Ça sera un bien pour nous. Non, je ne peux pas. Pas même pour ça. Alors je vais m'enfuir, partir d'ici et ne jamais revenir. Mais où aller? Je dois rester et lui parler. Lui dire quoi? Il y a des nouvelles pour le roi Minos? Des nouvelles? Comment le savez-vous? Quelque chose concernant un enfant. Un enfant? C'est bien de ça dont tu parlais. Pasiphaé a donné naissance à un enfant. Ah bon? Et comment l'avez-vous su? Nous avons entendu des pleurs. Des pleurs d'enfants. Des pleurs? Oui. Mais un enfant? Peut-on l'appeler enfant? Qu'est-ce qui ne va pas, vieille femme? Ai-je dit que quelque chose n'allait pas? Tes paroles nous font peur. La peur est venue. Elle est ici maintenant en Crète. Il y a quelque chose qui ne va pas? Dis-nous, est-ce la reine Pasiphaé? Est-elle morte? Non, elle n'est pas morte. Pauvre femme. Si ce n'est pas la reine, ça doit être l'enfant alors. L'enfant est mort-né? Non, ce n'est pas mort. Sa vie, il crie. Mais comme il ne se verra, il souhaitera ne jamais la regretter. La meilleure chose à faire est de l'emmener dans la montagne et de laisser les loups s'occuper de la belle. Bien belle. Quoi? Tu as dit belle. Moi? Que veux-tu dire? Cet enfant est une bête? Quelle pauvre bête? Quelle est cette bête? Je ne peux pas le dire, j'en ai déjà trop dit. Vous le saurez bientôt et vous la regretterez. Voilà comment la nouvelle nous parvint. L'enfant né de Pasiphaé, cette nuit, n'était rien de... Le fils de Minos, marqué par Poséidon, n'était rien de moins qu'un monstre. Un corps humain et une tête d'animal, un enfant avec des cornes, la tête d'un taureau. C'était l'horreur, c'était la terreur. C'était un cauchemar né en Crète. Il était une fois un roi, Égée, roi d'Athènes. Cette ville brillante assiégée. Je suis entouré par de nombreux ennemis. Si j'avais un fils, je me sentirais plus sûr. Mais aucune de mes femmes ne m'a donné d'enfant. Pourquoi? Pourquoi les dieux m'en veulent-ils ainsi? Ainsi, il mit secrètement et j'ai quitté la ville. Il prit la route de Delphes, le lieu de l'oracle. Là, Apollon, dieu des prophéties, me dira sûrement comment faire pour avoir un fils. Il entra dans la grotte qui se trouve au pied de la montagne, où la fille attendait la voix d'Apollon. Qui vient ici? Qui cherche son futur? Qui veut entendre la voix du dieu? Moi, je suis Égée, roi d'Athènes. Je recherche mon futur, le futur de ma vie. Je souhaite savoir comment avoir un fils. Avant de retourner à Athènes, voyage vers le sud, en direction de la ville de Troie. Ton vieil ami, Pythée, est roi. Il a une fille, Étra. Elle sera ton épouse. Elle te donnera un fils dont tu seras fier, qui s'élèvera là où tu es tombé. Mais un fils à craindre. Puis ce fut le silence, le dieu avait parlé. Enfin, je remercie les dieux pour ceci. Je vais tout de suite à Troie, nous nous marierons, en secret bien sûr. Et l'enfant devra également grandir en secret. Si mes ennemis le découvrent, ils essaieront de le tuer. Comme Apollon a dit, pour un fils dont je serai fier. Un fils dont il faudrait être fier, en effet, mais aussi un fils à craindre. Il semble avoir oublié cette partie de la prophétie. Car les dieux ne donnent rien pour rien, il y a toujours un prix. Et pour Égée, le prix était sa mort. Dès que je l'ai vu, je l'ai détesté. Le grand roi d'Athènes, il demanda pour m'épouser. Un ordre royal qui devait être obéi. Mais je n'étais pas une mariée, simplement un corps pour porter son fils. Et plus tard, cette nuit-là, comme j'étais couchée à côté de mon mari, je l'aurais tué. Mais ensuite, il me semble que j'ai rêvé. Un rêve si tranchant et si clair qu'aujourd'hui encore, il me semble que c'est la seule chose réelle au monde. Et voici le rêve d'Étra, le rêve qu'elle nous a raconté, nous, les gens d'Athènes. Je me suis réveillée en pleine nuit. Puis, je me suis levée. J'ai quitté la maison et je suis sortie de la ville. Jusqu'à ce que j'arrive au rivage. Il faisait froid. Et nuit noire, j'ai vu quelqu'un, là. C'était la Pythie, elle était face à Étra. Tu auras un fils, il grandit déjà en toi. Et ce fils deviendra un grand héros. Il aura la faveur des dieux.
Mais rappelle-toi ceci, bien que tu sois sa mère, Égée n'est pas son père. L'océan est son père. Il portera la puissance de la mer. Et un jour, ton fils donnera la mort à Égée. Et ce jour-là, tu auras ta revanche. Et puis, le dieu partit et Étra resta seule. Je suis retournée à mon lit. J'ai dormi et au matin, quand je me suis réveillée, je me suis souvenue du rêve de la nuit précédente. Et je me suis demandé si j'avais rêvé, car c'était la chose la plus réelle qui m'était arrivée. Et tout ce qu'on m'a dit, c'est avéré vrai. Étra, il est temps pour moi de retourner à la terre. Mais je ne pourrais pas venir avec toi. Non, ça ne serait pas sûr, ni pour toi, ni pour notre fils. Des ennemis là-bas, qui essaieront de vous tuer. Donc, je resterai ici avec notre fils. Oui, et le grandir, mais en secret. Personne ne doit savoir que je suis ton mari ou son père. Personne ne le saura, je le promets. Au bord de la route se trouvait un grand rocher. Et j'ai pris son épée, leva celui-ci et la passa entre le rocher. Quand notre fils sera grand, amène-le ici. Dis-lui d'aller vers le rocher et de prendre l'épée. Oui, il devra venir à Athènes avec l'épée. Je le reconnaîtrai, le déclarerai comme mon propre fils. Et ce furent les derniers mots qu'ils échangèrent l'un à l'autre. Elle ne le revit jamais vivant. Elle ne le regarda même pas partir. Elle pensa à son fils et là, au bord de la route, elle lui donna son nom. Thésée, je te nomme Thésée, roi d'Athènes. D'Athènes, voici qu'arrive Dédale, le maître, constructeur, faiseur de miracles. Je suis ici pour offrir mes services à sa royale majesté et à ses enfants charmants. Nous sommes hautement honorés. Tout le monde a entendu parler de toi. Bien sûr, ta réputation m'a précédé. C'est très gentil, j'ai ici des cadeaux pour ton fils et tes filles. Des cadeaux? Pour nous? Que sont-ils? Laisse-nous les voir. Oui. Bien sûr. Toi d'abord, quel est ton nom? C'est fait, la cadette du roi. Fait, un joli nom. Voici ton cadeau. Il lui donna un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Un miroir qui tient un reflet parfait pour montrer le visage sans bouton ou valeur, le seul visage qu'elle voudrait voir. Que je suis belle! Et maintenant, dis-moi ton nom. C'est Androgé. Prince Androgé. Androgé, un nom bon, fort. Ceci est pour toi. Il lui donna une marionnette, mais pas une marionnette ordinaire. Une marionnette qui bouge, une marionnette qui vit et meurt selon sa volonté. Regardez, je peux lui faire tout ce que je veux. Je suis comme un dieu. Maintenant, l'autre princesse. Voici. Je suis Ariane. Ariane, lui donna une figurine, mais pas une figurine ordinaire. Un garçon ailé, qui semble presque réel. Malheureusement, il ne vole pas. Ce n'est pas grave, je le trouve merveilleux. Son nouveau cadeau, Dédale. Nous te remercions. Vas-tu lui permettre de rester, père? Je l'espérerai. Va jouer. Va jouer avec ton nouveau jouet. Doré, dans toi. Oui, votre majesté. Venez, les enfants. Vous avez entendu votre père. Mais avant, remerciez ce gentil homme pour vos cadeaux. Merci beaucoup. Pourquoi as-tu décidé de trouver Athènes ce service? Les Athéniens sont des sauvages, ils n'apprécient pas le travail de fumée. Ici, mon travail sera vraiment apprécié. Est-ce la seule raison d'être ici? J'ai entendu des rumeurs. Des rumeurs? Le scandale voyage vite. Il a quitté Athènes au plus vite et venir en Crète comme un criminel. C'est vrai, là-bas j'étais accusé. Mais je suis complètement innocent des charges de ma carte des Athéniens. Et quelles sont ces charges? Meurtre. Meurtrier! Mais as-tu tué quelqu'un? Oui, mais c'est seulement par accident. Et qui as-tu tué? Mon neveu, un jeune homme appelé Talos. Comme Dédale, il était aussi architecte. Et il pensait qu'il était supérieur à son nom. C'est la raison pour laquelle Dédale l'a tué. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas tué. C'était un accident.
quelque chose à Pétalos, c'était sa propre arrogance. Il voulait voler. Voler? Il a crié Verdès et a dit qu'il allait voler. Tôt, un matin, je l'ai vu vaincre sur un rocher. J'ai essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Je l'ai vu tomber, essayant de battre de ce geste inutile, elle tombait simplement en morceaux. Avec tout le respect du dédage, nous pensons que tu es un menteur. Un menteur et un meurtrier. Nous avons reconnu coupable du meurtre de Talos. Et maintenant, tu nous offres tes services. Pensez que ça m'importe que tu aies tué quelqu'un. Un crime à terre n'est pas un crime ici. Je n'aime pas les Athéniens. Tu peux rester. Merci. Je suis sûr que j'aurai besoin de te rappeler à ton remarquable talent et à ton astuciada. N'importe quoi, votre majesté. Il n'y a qu'à demander. Je sais, Dédale, et je le ferai. Voici comment Dédale va en Crète, pays de peur, d'ombre et de secrets. Courant d'un cauchemar vers un autre. Un cauchemar qui part avec la voix d'un taureau. Votre père dit que vous devez aller dans vos chambres et vous y enfermer jusqu'à... Je n'irai pas, je le combattrai.
Allez maintenant, prenez-les. Je ne suis pas un petit garçon, je suis un homme et je n'irai pas dans ma chambre. Nourrice au secours, c'est lui le monstre. Ne le laissez pas m'approcher. Je ne sais pas quel est votre problème. Il ne nous fera pas de mal. Ah non, il m'a déjà attaqué une fois. C'est parce que tu veux tourmenter. Et qui ne voudrait pas tourmenter une bête comme celle-là? Ce n'est pas une bête. Regarde-le, il est hideux et il mange un chameau. Il mangera ensuite. Bien, s'il enfuit, nous dit-il. Il est vraiment dégoûtant. Au secours, il va encore m'attaquer une fois. Des remèdes déformés à sa naissance. Astérion, ne t'approche pas. Ne le crains pas, c'est mon frère. Et il ne me fera pas de mal. C'est vrai, tu es la seule avec laquelle il est. C'est seulement parce que je suis gentille avec lui. Je ne le traite pas comme un monstre. Oui, mais que tu ne veuilles pas, ce n'est pas quelque chose de naturel. Il le nous laisse. Astérion, tout va bien. C'est moi, Ariane. Oui, je me passe très fort. Tu l'as tué? Oui. Mais pourquoi? J'avais faim. Nous faim pour de la vraie viande, faim pour du sang chaud. Je dois avoir de la viande et du sang. C'est dans ma nature. Je te dégoûte? Non. Je me dégoûte. Regarde-moi, mon visage est hideux. Je suis un monstre, mais je ne t'en prie pas comme les autres. C'est vrai. Et tu m'as appris à parler, tu m'as chanté des chansons et tu m'as raconté des histoires comme celle du garçon aîné. Le garçon qui vole vers le soleil. Oui, une fois, j'ai rêvé que j'étais lui. J'étais sur une falaise, au-dessus de la mer. J'ai déployé mes ailes, et là, le vent m'a soulevé au-dessus de la terre. J'ai volé au-dessus des oiseaux. Puis, je suis monté de plus en plus haut, vers le soleil, et puis... Puis le soleil a brûlé tes ailes, et tu es tombé dans la mer. Je sais, moi aussi j'ai eu ces ailes. Tu vois bien, c'est des dalles. Il ne te fera pas de mal. Mais ce que non, pourquoi le voudrais-je? Garde, tu me crains! Car je suis un monstre! Pas dans les yeux de ta sœur. On ne voit aucun monstre. On voit un garçon qui a rêvé de voler. Tu as encore le garçon aîné que je t'ai donné, dans l'espoir qu'un jour il puisse voler. Lui travaille encore. Mais ton père me tient très occupé. Tu travailles sous les balais? Oui, mais c'est fini maintenant. Que construis-tu? Mon plus grand travail. Un chef-d'œuvre, un réseau, un labyrinthe, un élément de pouvoir, un élément de beauté, et dans son cœur. Oui? Quoi? Venez le voir par vous-même, tous les deux, pourquoi pas. Toi et ton frère seront les premiers à en être témoins. Astérion, quel est le problème? Il veut savoir. J'ai peur. Il n'y a pas à savoir peur, n'est-ce pas? Non, rien, je reviens à ma parole. Et puis, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas tomber, je te le promets. Très bien, suivez-moi. Je vous montrerai l'entrée d'un autre monde. Un monde de mystère, un monde de merveille. Tu as laissé ceci. Vite, dépêchez-vous, par ici. Écoutez, les rues de Gnossos sont silencieuses. Rien ne bouge, rien ne peut bouger. C'est comme d'abord le début d'un orage et le silence aussi opprimant que l'approche du tonnerre. Donc, nous attendons, nous, le peuple de Crète, attendons. Comme des victimes préparées pour le sacrifice. Nous attendons la terrible chose qui va s'épanouir. Comment peux-tu faire de telles choses? Il était au courant de tout, Donald. Ton effet réalisé, je ne savais pas. Je lui ai fait confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelque chose de terrible, comme nous le pensons. Racontez-nous, à qui as-tu fait confiance? Nous avons suivi Donald dans le palais. Où se trouve la petite danse vers la cour fermée? Dédale l'a faite pour moi. Oui, nous la connaissons. Un bel ouvrage. Maintenant, c'est un lieu... un lieu d'horreur. Dédale nous a montré une porte. Une porte découpée dans la piste de danse. Il a ouvert, indiqué les escaliers. Les escaliers descendant dans l'obscurité. Puis, les soldats sont apparus. Cinq ou six. Les gardes du corps de mon père. Ensuite... tout s'est passé très vite. Les soldats ont sonné après mon frère. Il a crié, essayé de se libérer, mais... ils étaient trop nombreux, trop forts. Ils le poussaient en bas dans l'obscurité. C'est la dernière chose que je vis de lui. Son visage me dévisageant. Mon pied de terreur, de rage. Puis, la porte se referma. Il est parti. Il prisait. Il
prison. Prison pour le monstre. Il est enfermé maintenant. Il vivra ou mourra là. Et dans l'obscurité, il deviendra vraiment, vraiment un monstre. Parce que moi aussi, je suis Cartier. Le palais est une prison. La ville, est tout entière sur la venue de prison. Et tous ceux qui vivent ici sont des monstres. Vite à cette parole, nous avons encore vu pour la première fois un son comme le tonnerre. Un son comme le tonnerre, mais pas le tonnerre. Un son pourtant de profondeur du sol. Une voix qui surgit des pires cauchemars. La voix d'un monstre, le seul, affamé de viande, affamé de sang et de remords. La voix de la bête en cage, la voix de la craie. Toi, jeune homme, tu peux remettre de m'écouter. T'écouter ? Un simple capitaine, je suis un prince. Quand je parle, Minos parle. Et Minos est un roi. Prends cette question. Non, il n'y aura pas de violence. Écoute ton père, garçon, il est plus âge que toi. Appelle ta main, fais comme je te dis. Bien, Roger, quelle est ta décision ? Combien de temps ai-je donné ma réponse ? Nous appareillerons avec la marée du soir. J'attendrai jusque-là. Mais si tu me conseilles... Je déciderai ce qui est bon pour mon peuple. Très bien. Je ferai maintenant mon avis. Et j'attendrai jusqu'à ce soir. Bonne idée, père, d'aller retarder jusqu'à ce soir. Cela nous donne 4 heures. Plus qu'assez pour lever une armée. Et non que 3 bateaux. Mais ce sera une mort rapide quand Minos enverra sa flotte. Qu'il le fasse. Nous valons plus qu'un simple jeu, pour lui et tous ses bateaux. Mais nous ne le sommes pas aisés. Athènes n'est qu'une seule ville. En Crète, il y a 90 villes. Toutes liées à Minos. Peux-tu t'imaginer ce qui arrivera quand une telle force sera lancée contre nous? Athènes sera détruite. Nous demanderons l'aide des autres villes. Thèbes, Argos, Sparte. Pourquoi nous aideraient-ils? Nous sommes seuls contre la puissance de Minos et ses dieux. Mieux vaut mourir en combattant avec honneur. Mieux pour toi, peut-être, mais pour les autres qui vivent ici, ceux qui ne sont pas soldats, les vieux hommes, les vieilles femmes, les mères, les enfants,
Condamneras-tu à cause de ton honneur? Condamneras-tu quatre personnes à mourir comme des esclaves en Crète? Oui, à cause de tout ce qu'ils vivront. Tu as pris ta décision? Il ne peut y en avoir une autre. Alors, tu me condamnes à mourir au sein de ces quatre personnes. Non, je ne permettrai pas. Puis-je rester ici et regarder les autres aller leur faire? Mon honneur, ma fierté ne le permettront pas. Tu es le prince d'Athènes, tu as une responsabilité. Ma responsabilité est d'aller là où le danger menace. Je sais que tu n'as pas peur du danger, mais là, tu iras une mort certaine. Peut-être, mais une fois que je serai là-bas, qui sait, je pourrai trouver un moyen de défier Minos et vaincre sa puissance. Quoi? Un seul homme? Sinon, qui d'autre? Non, je ne te permettrai pas. Tu as pris la décision, père. Maintenant, j'ai pris la mienne. J'irai, que tu le permettes ou pas. J'irai sur la place publique. Je raconterai aux gens ce qui se passe. Quand ils entendront que je vais en quête, il n'y aura pas de pénurie de ceux qui voudront me suivre. Il a raison, c'est comme une aventure, une grande entreprise. Donc, nous sommes volontaires, nous trois, et avant que le soleil ne se couche, nous serons prêts à partir. Tu as bien réfléchi? Oui. Je ne peux toujours pas t'en dissuader? Les autres m'attendent. Très bien, va, et prends ma bénédiction avec toi. Mais promets-moi ceci. Si tu devais revenir, que le bateau dans lequel tu voyages porte une voile blanche, je serais certain que tu es vivant. Une voile blanche, oui, je le ferai. Le soleil est couché et les bateaux quittent le port, transportant leur cargaison en Crète. Peux-tu l'entendre? Non. Il n'est pas là. Attends, sois calme. Peux-tu l'entendre? Oui, il est là. En es-tu sûr? Écoute. Je peux l'entendre, il est là, en bas. Allons-nous lui dire? C'est pour cela que nous sommes venus. Alors vas-y, il t'entendra mieux, ta voix est plus grave. Frère, peux-tu m'entendre? Je sais que tu es là. Je peux t'entendre. C'est moi. Frère, j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi, frère. Les gens arrivent de l'autre côté de la mer, juste pour toi, pour être ton dîner. De la viande fraîche. Quand ils arriveront ici, on les portera et on les descendra un à un. Ils erront dans l'obscurité jusqu'à ce qu'ils te trouvent. Et là, tu les mangeras. Tu boiras leur sang. Car tu es sucré. Un animal. Ah non. Ne le dis pas à notre père. D'accord, j'ai des nouvelles pour vous. Les bateaux sont revenus d'Athènes avec les étrangers. Les bateaux, les étrangers sont ici, youpi. Allons les voir, voir qu'ils en arriveront en premier. Le Christ en rentre et nous donnerons des cochons. Pire que des enfants, je ne sais pas ce qu'ils font. Un genre de folie. Et pas seulement eux, il semble que tout le monde l'a attrapé ici. Regardez, ils sont là, les étrangers d'Athènes. Qu'ils sont étranges, leurs vêtements, leurs visages, des sauvages, vraiment, mais fiers. C'est lui là-bas, encore plus fiers que les autres, c'est à tête de leur chef. La façon dont il nous regarde, comme si nous étions ses prisonniers. Cela ne durera pas longtemps quand il découvrira ce qui lui est réservé. Tenez bon, gardez la tête haute, souvenez-vous qui vous êtes, des Athéniens, des Grecs, et personne n'est meilleur. Nous entendons ces paroles, mais ces paroles ne semblent pas vouloir dire grand-chose ici. Il y a de la musique, des acrobates et des jongleurs. On se croirait chez les fous, dans un festival d'idiots. Minos, 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 Minos. Bienvenue, chers invités. Votre venue ici est un honneur. Ce que vous voyez ici est le plus grand festival annuel. Et vous, mes amis Athéniens, avez amené ici prendre part à cette célébration. Car vous savoir qu'ici, en Crète, un dieu est descendu sur terre, pris en forme de chair et de sang, et dort maintenant
dans l'obscurité au-dessus de nous. Et vous serez les protecteurs de nos blessures. Chacun, à votre tour, vous descendrez dans les profondeurs de la terre. Et votre chair, votre sang, vous nous redonnerez la force de se lever à nouveau. Et avec son élévation, relèverez de crête. Cette nuit, nous dormirons dans la ville. Mais nos filles faudra courir à ce fois son Dieu. Nous prenons la route pour Knossos. Une route qui, pour vous, ne va que dans un seul sens. Que nous revenions pas, c'est encore à voir. Bonne parole. J'espère qu'on va entre les dire demain. Suivez-moi maintenant. Minos et vous, un tour sur le trône de Crète. Ces quatre personnes d'Athènes ne seront pas les derniers à nourrir sa folie. Ce sera un festin spécial pour toi de me retrouver là-bas en bas. N'est-ce pas, Stérion? Celui qui a construit la prison, pris dans son propre piège. Non, tu n'auras pas à te soucier. S'il doit y avoir une mort, ça doit être la tienne, pas la mienne. Te tuer et soigner la poste du roi. Mais comment faire tout cela? Où trouver un tel homme en Crète? Je pense en connaître un. Un homme qui pourrait mettre un terme à cette folie, détruire le monde et libérer la Crète de sa tyrannie. C'est de ça dont tu parlais, n'est-ce pas? Tu veux sauver ta peau? Je vais mettre un terme à la misère de mon frère. Ils veulent tous les deux dire la même chose. Le tuer! Très bien, si nous devons tous être sauvés par cette folie, le monstre, ton frère, doit mourir. Mais il ne faudra pas un homme ordinaire pour le tuer. Tu as dit que tu connaissais quelqu'un? Oui. Qui est-ce? Un des étrangers qui sont arrivés aujourd'hui. L'Athénien ? Oui, leur chef. J'étais au port quand ils sont arrivés. Je les ai vus. Une lumière semblait briller autour de lui, comme si j'avais vraiment été touché par les dieux. Et j'ai su que je suis un homme sans peur. Un héros. Oui. Et tu en priras pour l'aide. Il n'ira pas quand je l'avais dans des armées. Y aller et sortir. En sortir est autre chose. Tu m'aideras à trouver un moyen de sortir. Je m'inquiète de l'organiser pour cette soirée. Mais ce n'est pas une chose facile. Je devrais y réfléchir profondément. Nous en reparlerons l'autre plus tard. À vol. Mon pauvre frère, sais-tu ce que tu es devenu? Une bête! Et comprendrais-tu si tu savais ce que je fais maintenant? Je vous prie pour ta mort, car c'est la seule façon de te libérer de ta prison et de me libérer de la mienne. Très, de ta mort. C'est tout ce que je veux faire pour toi maintenant. Ce qui peut être fait. C'est ce qui a été fait. La nuit dernière, Ariane vint secrètement voir Thésée. Elle lui parla de la bête qui se trouve dans le labyrinthe. Cette bête n'est pas un tout, un monstre, mais son nom est le frère. Toi? La fille de Minos? Pourquoi? J'ai de la haine pour le tyran que est devenu mon père, et de la pitié pour la bête qui est devenue mon frère. Tu as de la pitié pour lui, mais tu veux que je le tue? Il vit dans la tourmente. C'est le seul échappatoire pour lui et pour moi. Échappatoire pour toi? Après l'avoir tué, tu retourneras à Athènes. Je veux que tu me prennes avec toi. C'est le prix pour mon aide. Je suis d'accord. Maintenant, dis-moi, comment proposes-tu de m'aider? Ils ont l'intention de t'envoyer des armées pour les labyrinthes. Mais il n'y a pas de couteau. Tu me ferais. Je ferai de mon mieux. Mais le danger n'est pas terminé. Le labyrinthe est fait de telle manière que toute personne qui entre ne puisse pas retrouver la sortie. Mais tu connais une manière pour que je m'échappe? Oui, l'homme qui a construit m'a dit la sortie. Bon, c'est tout. Des rouleurs, la fin du coup. Oui, quand tu as tué mon frère, tu le prie. Un couteau et une bobine de fil, les armes de héros. Si tu survis, souviens-toi de notre marché. Si tu le brises, tu seras maudit, et pas seulement toi, tout seul de ton sang. Oui, elle partit. Thésée attendit seul que le soleil se lève, que le jour vienne. Et maintenant, son attente est finie. Le soleil est levé et le jour est venu. As-tu été le premier à rencontrer le dieu? Oui. As-tu été élu? Pourquoi as-tu choisi cet honneur? Choisi librement. J'ai conduit les autres ici. Je suis leur capitaine et leur prince. Je suis Thésée, fils du roi Égée. Le fils d'un roi? Es-tu ici comme un esclave? Pas comme un esclave, comme un homme libre. Je ferai face à la bête comme un homme libre. Et si le Dieu le veut, je mourrai comme un homme libre. Il
S'il le veut, tu peux être sûr. Il t'attend maintenant dans les profondeurs de la terre. Le fils d'un roi, du sang royal à boire pour le dieu. Jésus, va à Athènes. Cet acte de bravoure, ton nom vivra pour toujours. Mais j'ai peur que toi non. Je suis prêt. Le temps est venu. Laisse-moi entrer dans le labyrinthe. Venteux, tournant et s'enroulant comme les anneaux d'un serpent. Soudain, il y a une lumière. En face de moi, je trouve une porte creusée dans la roche. Il n'y a pas d'autre entrée. Et je sais que je suis au centre du labyrinthe. De l'air vicié et chaud, des os sur le sol. À une respiration profonde, une créature qui bouge. Un nœud dans le noir, une forme donnée, une silhouette. Cornée, monstrueuse, la silhouette de la bête. Il se trouve derrière moi. Mi-homme, mi-bête, plus terrible, je ne l'ai jamais imaginé. Bienvenue, homme. Ceci est ma maison, le sommet du monde. Et tu es venu ici pour mourir, pas pour mourir, pour tuer. Pour me tuer, mais tu n'en as pas la puissance. Peut-être pas, mais j'ai ceci. Cette lame ne me blessera même pas. Nous verrons cela, plus de bavardage. Battons-nous. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je le regarde, je vois comment il bouge, comment il me regarde. Attendons le moment juste. Mais voilà, il frappe encore, encore et encore. Et maintenant, j'ai peur de lui. Ses yeux me regardant, pas des yeux humains. Tu crois encore que je ne suis pas si homme pour te tuer? Aucun homme ne peut me tuer. Je suis un dieu. Tu n'en es rien d'un dieu. Et tu es une bête. Une bête qui se régalera de ta chair. Les jours de festin sont finis. Pourquoi te tromper, homme? Ta mort est certaine. Tu ne pourras jamais t'échapper d'ici. Je connais un chemin. Comment le sais-tu? J'ai de l'aide. Qui t'a aidé? Ariane. Ah, Ariane, ma sœur. Son frère n'est plus un frère, une bête, un monstre, chose d'horreur. Et elle veut que je te suive, et j'en ferai ainsi. Et tu feras ainsi. Il tombe à genoux devant moi, acceptant sa mort. Il y a des larmes sur le visage de la bête. Mais je n'ai pas de pitié. C'est fait? Oui. Nous devons partir. Tout le monde dort. Et il y a un bateau? Dans le port. Les compagnons nous y attendent. C'est chez nous. Et au plus profond de la nuit, nous quittons la crête dans la mer ouverte. Et au lever du soleil, la crête s'éveille avec la nouvelle. La bête a été tuée et les étrangers se sont enfuis. La princesse est partie, Minos délire. Les gens sont dehors et semblent que tout s'écroule. Il y a un bon vent qui souffle du sud. La mer est calme, le ciel est clair. Pas de nuit d'orage, pas de tempête, pas de problème. Comme si quelque dieu était avec nous, veillant sur nous. Il n'a jamais eu l'intention de ramener Athènes. Utiliser et ensuite abandonner ici, à Naxos. Je sais que je mourrai ici. Et je mourrai en le maudissant. J'envoie ma malédiction sur lui. Une malédiction qui détruira sa vie, lui et tous ceux de son sang. Navigons encore vers Athènes. Oui, l'odeur de la terre, les mouettes faisant des cerfs, les falaises de notre pays, les cartes de chez nous. J'étais sur ce promontoire, comme chaque jour, veillant pour le retour de mon fils. Et là, j'ai vu un bateau noir, avec une voile noire. Ensuite, j'ai compris que mon fils était mort, et le désespoir m'a pris. Je me suis élancée de ce promontoire dans la vie, à la rencontre de ma mort, sans
les rochers, là, en bas. Maintenant, les eaux blancs se trouvent dans le lit de la mer. Et les paroles du Dieu se raccomplissent enfin. Et enfin, j'avais eu ma revanche tant attendue. Citoyens d'Athènes, vous m'offrez cette couronne et je l'accepte. Mais en l'acceptant, je pleure la mort de mon père. Et pour que son nom soit jamais oublié, la mère qui prit sa vie portera son nom pour toujours. Dans ce nom aussi, je dirigerai aussi bien et sagement que j'en suis capable. Et je prierai pour que nous connaissions la paix et la prospérité. Car Athènes n'a plus d'ennemis maintenant. Le monde de Crète a été détruit, Minos vaincu, son pouvoir brisé. Il n'y a rien qui empêche notre ville de s'élever vers une vraie grandeur. Mais même quand les gens clamaient, même quand ils criaient le nom de leur nouveau roi, une ombre s'étendit sur la ville. Cornée, noire, l'ombre d'un taureau. Mon ombre te poursuivra toute ta vie, appelée de la tombe par la malédiction de ma sœur. Une ombre qui se trouve dans ton cœur et dans le cœur de tous les hommes. Ainsi cela était, ainsi cela sera. Thésée fera grandir Athènes, amènera la loi et la paix dans tout le pays. Il aura un fils, Hippolyte, avec une reine étrangère. Il épousera Ariane, la sœur d'Ariane, Phèdre, et unira ainsi Athènes et la Crète. Mais Phèdre tombera amoureuse de son fils, et quand il la repoussera, elle l'accusera de viol. Craignant pour sa vie, Hippolyte s'enfuira, et Thésée dans sa rage en appellera aux dieux. Et les dieux l'écouteront, enverront un taureau de la mer, et Hippolyte trouvera la mort. Phèdre se pendra, et Thésée deviendra fou. Il deviendra un tyran, ton peuple craindra. La peur deviendra de la colère. Ils lui prendront la couronne et le feront sortir de la ville et le banniront pour toujours. Seul, il errera dans le monde, un mendiant sur la route. Et enfin, dans quelque endroit isolé, il sera battu et tué par des bandits. Son corps creusé dans quelque puits profond. Et personne ne saura où se trouve ses corps. Il était une fois un roi